السلام عليكم، ايلو الدكتور. Non, non, faut que tu l'appelles. Il y a une Le salle docteur! d'attente. Arrêtez de gueuler! Oui, ça tire! Ça tire dans le. Dans... Wesh, Quoi? wesh, wesh, sortez, sortez! Personne, attends, on sortez tous, s'il vous plaît! Sors, sors, viens, on sort, viens, on sort, viens, on sort! Oh lol! Ah, mais arrête! Je vais te faire qu'un œuf! Yep. Ah ouais, c'est moi qui. si c'est en séance, séance, oui, c'est en séance! Danse! Vas-y, danse, wesh! Mais danse, Flo! Mais arrêtez! Danse! Ah, en plus, t'as le rythme dans la peau, on dirait pas que t'es allemand! En fait, je suis jaloux, voilà, t'es plus riche que moi, ça m'énerve. T'es un être saugrenu, hein! Ah, moi? Oh, aucune reconnaissance, c'est vraiment. Ok, je retiens. Ah, mais c'est vrai, j'ai aucune reconnaissance envers vous, j'en ai rien à foutre de vous. Hein. Descends, descends. D'accord, non, on est bien là. Descends, je t'ai dit. Eh, c'est bon. Descends! Vas-y, tu dormiras à l'hôtel ce soir. Hein. Quoi? Connard. C'est bon, allez, arrête, c'est bon. T'emmerdes. Salut, salut! Juste pour vous dire qu'on a reset la whitelist du serveur. Ça veut dire qu'en gros, toutes les personnes qui avaient été refusées définitivement de la whitelist peuvent retenter leur chance. Et même les nouvelles personnes qui veulent essayer un petit peu ce serveur. N'hésitez pas, le lien du Discord est en description. C'est mardi! À tout de suite! Normalement, y'a ma mère qui arrive ce soir là. Ah ouais, j'ai gagné de l'argent tout à l'heure, j'ai envoyé à Dylan. J'ai envoyé 7 500 $ à la roue, 140 à la roulette. J'ai envoyé ça, j'ai dit pardon. Ouais, je te pardonne, t'inquiète. Ouais, allez. Ouais, beau gosse, ça va quoi? Ouais, bah merci de me pardonner que toi tu gagnes de l'argent. Ouais, ça va, c'est pas grand chose, 140K plus 7 500. Oui, t'as, c'est t'as vu mieux quand même dans ta carrière. Oui, c'est sûr, mais bon, attends, c'est tous les jours. Ah non, hier, par contre, hier, j'ai pas mal perdu. Hein. Ouais, on va dire que j'ai équilibré hier les pertes, quoi. Ah ouais? Wouah! Y'a une voiture qui a volé devant moi. Wouah! Oh, les tonneaux! Oh, les tonneaux! Oh, putain! Ouais, c'est des grilles. Oh, laisse tomber, ils savent pas conduire du tout. Alors, hein. J'ai une grande nouvelle pour toi. Oh, dis-moi. T'es où? Je te ramène la surprise. Ah bah, là, je suis à mon entreprise, là. Ok, bon, bouge pas, j'arrive. Ouais. Ouais, beau gosse, t'es où? J'arrive, désolé, j'ai un petit empêchement, j'ai croisé un connard. Ah, qui, d'ailleurs, faut que je t'explique ce qu'il a dit, tu vas être colère. Ok, vas-y, j'attends. J'attends de voir ça. T'es pas prêt, je te dis, hein. Vas-y, vas-y, à tout de suite, okay, alors. Ok, là, j'arrive dans 2 minutes 30, grand max. Allez, ça marche, à tout à l'heure. Vas-y, à tout de suite. Salut Dylan, ça va quoi? Elle est où la surprise? Là, regarde, t'es prêt? Ferme les yeux, ferme les yeux. Vas-y, ferme les yeux. Ouvre, ouvre. J'ouvre. Ouah, une camionnette. Demi-tour, demi-tour. Hey. Ah! Walter, tu m'as manqué. Viens faire bisous à maman, fais-moi. Oh, le screamer. Lève-toi, lève-toi, Walter. Attends, mais. Lève-toi. Attends. Qu'est-ce que tu as beau? Mais tu ressembles deux fois à ma mère. Le hamar, c'est ta mère. C'est ta mère. Mais depuis quand t'as le voile? Depuis que j'y suis parti dans la Mecque. Oh là là. Ouais. Maintenant, j'ai fait le hajj, appelle-moi hajjom. Ah, c'est ça l'update que tu m'avais dit? Oui, tu es dans l'update, la mise à jour. Ouais. Ça va, maman? Bah oui, ça va, et toi? Tu fais quoi tes cheveux? Tu prends plus soin de tes ouais, cheveux? Non, c'est vrai, on c'est... On t'a maigri, oh là 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 là, qu'est-ce que tu Non, mais ça va, en vrai, j'ai pas trop maigri, je mange bien. Non, 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 tu manges pas bien, c'est parce que je suis pas là, c'est ça, toi, machallah, t'as bien pris, hein. Enfin, t'es en forme, hein. C'est un petit, c'est les fêtes, c'est les fêtes, c'était à Dubaï, j'ai eu... Le parc là, ouais, mais pourquoi ça. Tu m'as pas envoyé de message? Pas d'appel, ou alors rien du tout. Il m'a volé mes téléphones, le club de la douane, il m'a volé le téléphone. Les salopards. Hey, Richie. Ouais? Tu veux pas casser l'ambiance, hein? On a Dis-moi. Croisé Hans, il a dit Hans et Dokel, la catane mère à Richie. Quoi? La vie de mon moment. J'ai pas il a compris, ça. Moi j'ai cru que c'était un clochard. C'est que. Ouais, non, je me suis embrouillé avec lui hier et maintenant ça est devenu un clochard. Je t'expliquerai, maman, c'est longue histoire. Il est où ce chien? Je sais pas, mais il était sur une moto, dernière nouvelle. Vas-y, de toute façon, je vais appeler 42, il doit tout. Ah, je suis fatigué, avec lui. Je veux que je ouais. dépose les bagages. Vas-y, Dylan, c'est gentil, je vais faire un petit tour avec ma mère et tout. C'est gentil. Ouais, merci, merci, ouais. Vas-y, merci beau gosse, on s'y encore. Vas-y, moi, tu sais, bah, profite bien. Ouais. Et à bientôt. Je vais essayer. Pense à faire les douches, monsieur. Ça va être compliqué. Moi, je fais la douche, je prends ça, moi, je fais la muscule, mon dame. Petit pomme, c'est tout. Allez, au secours. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Richie? Allez, à bientôt. Ah, allez, ouais. Va, mon fils. J'ai faut que je ah dépose oui, les allez, bagages. Ah, ouais, j'ai ouais. J'ai le payage, j'ai débarqué. Bah, viens, je vais te présenter ma mère déjà, viens. Ma mère, mon entreprise. Ça, ta mère, attention. Tu non, mais tu vois, je suis troublé, c'est pour ça. Bah, tu sais, c'était l'entreprise, j'ai créé. Ils ont ah, bah, ouais, c'est l'entreprise, regarde. Va dans les bureaux, viens dans les bureaux. Bon gosse, c'est pas bon gosse, hein. Tu me disais que je suis un bon à rien, mais là, je suis un bon à faire des trucs de fou, hein. C'est fort comme ton numéro. Ah, ouais, t'as vu, là, on est bien, là. C'est Jay-Z, c'est un rappeur, t'inquiète, c'est un mec qui travaille avec moi maintenant. Ouais, c'est une longue histoire, hein. Je suis arrivé, bah, il y a un mois à peu près ici, hein. Je lavais des voitures au feu rouge. On t'a fait ça? Et ouais, bah j'ai commencé comme ça, petit à petit.
Viens, viens, c'est... Personne n'a pris soin de toi, oh là là. Non, bah... Ah, je m'en veux, mon fils, je m'en veux, je suis non, pas... Non, tranquille, après toi, t'es parti à Dubaï, t'as fait pomper l'op, tranquille, c'est pas grave. Regarde, hein, t'es fier de ton fils c'est ou pas? C'est pas les pomper l'op, c'est les soins. T'es fier de ton fils, regarde. Mais je suis plus que fier. Regarde l'affiche. C'est bon. C'est quoi les rats? Comment ça les rats? Le rat, parce qu'on m'appelle le rat parce que je suis une pince, je suis devenu un... en fait je pense qu'à l'argent. Ah non, j'ai les rats parce que les rats, l'autre, le petit souris t'a mordu au lieu de te donner la pièce quand t'as perdu oui, ta oui, dent. Mais... Ouais mais faut ça, pas dire d'accord. Ça à tout... faut pas dire mais... ça à tout le monde. Ça d'accord, mais par contre les rats, c'est pas une fierté. Oui c'est mais... Le renard, le requin, le lion. Bah on le changera, lion, ouais, bah on changera voilà. Peut-être, on verra. Bah là c'est... Lion, bah c'est ça c'est l'ancien bureau de Hans. C'est le mec qui t'a. C'est le haram qui t'a insulté tout à l'heure. Ouais, c'est le clochard. Ouais. Je me suis embrouillé avec lui hier. Il embrouille. C'est un Allemand et en fait, il est jaloux que je sois plus riche que lui. Voilà. C'est ah. La jalousie. Ah, mon fils, tu montres ah, c'est pas bon, ta bureau. Richesse. Hein. Ah, là, c'est remis, bon. Remis. Ah non, regarde, je suis habillé comme un clochard, regarde. Là, tu restes comme ça, les gens, ils se disent pas. C'est ah, bon, des fois, de temps en temps, Zama, quand je pète un câble, je change Zama de vêtements. Ah. Tu vois, genre là, je suis au top. Là, je suis au top. Là, c'est mon bureau. Attends, c'est pas fini, maman, viens. Attends, tu vas voir. Je vais te mettre bien, voilà, je vais te mettre bien. Tu joues encore avec les jouets ou t'es non, non, c'est en fait quand tu es parti des riches, t'es obligé de faire Zama, tu joues au golf, sinon ça compte pas. Là, les jouets, là, les voitures. Ah, t'as les pas jouets fini de jouer avec ça. Non, parce que je fais des locations de voitures, c'est pour ça. Je t'ai pas expliqué en fait mon business, je fais des locations de voitures. Tu as gagné, fais l'auto, fais le casino, t'as gagné. Casino, quoi. Casino, j'ai gagné un petit peu au casino. C'est bien. Je sais, c'est haram, mais c'est mon péché mignon, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, aujourd'hui, j'ai gagné 140 000 dollars au casino. 140 000 Deux, ouais, 140 000. C'est combien de zéros, ça? Ah, maman, ça fait 4 zéros, c'est beaucoup, hein. Eh, viens, je t'ai pas encore montré ce qu'il y a au-dessus. Qu'est-ce que c'est bien, le Santos, hein. Ah, ouais. Et Dubaï, il fait quel temps, là-bas? Il fait sec. Il y a beaucoup de soleil, comme d'habitude. Ah, ouais. T'es parti avec des copines, là-bas, ou? Les copines, c'est les médecins, c'est les docteurs ah et ouais, tout. Ouais. C'est bon, non, mais je pensais que Zama, t'as voulu changer un petit peu les idées, ou quoi, c'est pour ça. C'est que des jalouses. Les copines, c'est quelque chose de jaloux. Ah, sauf la chambre gaming, maman. La chambre gaming. Chambre gaming, c'est bien que la chambre gaming. T'es que ça, ouais. Tu vas faire quoi ici? Tu vas faire des trainings, c'est ça? Ouais, c'est ça, crypto-monnaie, NFT. Et là, j'ai une petite suite. C'est même une petite suite, tranquille, juste là. La suite de quoi? La suite de mon business. Là, tu te poses, quand tu réfléchis. Un petit salon, voilà. Bien, il manque juste la télécommande ou ça y est, sinon c'est bon. Tu sais quoi, maman? Là, il y a un client qui va venir. Je vais te présenter un petit peu mon business, c'est bon? Elle est où ma chambre déjà? Eh ben, attends, justement, là, tu vois, c'est l'entreprise. Moi, carrément. C'est l'entreprise, d'accord, j'ai cru que c'était la chambre. Ah non. Ah, tu as quoi l'autre? Les palais alors? J'ai vu une petite maison qui pourrait te plaire. On ira la voir après, c'est bon? D'accord, une chambre. Vas-y. Et maman, t'as ouvert un compte bancaire ou pas? Faut que tu passes l'argent pour. Non, pas encore, j'ai pas encore fait. Je viens d'arriver, franchement. Ouais, faut vas-y. Que je fasse la douche bon. Et tout et tout. Hein. J'appelle le... Bah tu sais quoi, viens, regarde. Il y a un petit hammam là-bas. Tu poses ta valise dans la petite chambre juste à gauche en attendant. Tu prends ta douche, tu fais ce que tu veux, juste là. Voilà, tu te refais une petite beauté. Moi j'appelle le client et puis comme ça je te montre comment je travaille. D'accord, j'ai fait comme ça. Vas-y. CJ Weldy, maintenant je vais t'appeler CJ Weldy. Reggie. Ouais monsieur, c'est bon, je suis à l'entreprise, je suis disponible. Ok, j'arrive, je suis à Vinewood, je suis en chemin, ok. Je suis avec ma mère. Oh, claro. Si, si vous bien. Pouvez lui faire quelques compliments par rapport à moi et tout, comme ça, elle va être fière de moi et tout. Si, d'accord, je ferai un beau discours. Merci, c'est gentil. Claro. À tout à l'heure. Y'a pas de soucis. Dis-la, elle va faire une sacampe quand tu vas lui offrir la maison. Vas-y, étape par étape. Retrouve-moi, Hans, je te passe 10K. Ça va, t'as fait les ablutions et tout? Eh oui, c'est bon. La santé, ça va, je suis hier. Alhamdoulilah, comme c'est comme ça, quoi, fait les médecins avec. Hein. Ils m'ont dit, de toute façon, ça va pas s'arranger, mais ils peuvent encore un petit peu repousser la date limite de péremption, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Non, nous, on veut une guérison totale, nous, on veut pas... Et c'est ce qu'on veut. Et il y en a, ils veulent les papiers, il y en a, ils veulent la guérison. Ah ouais, mais non, mais moi, la vérité, je préfère la guérison que les papiers, hein, en vrai. Et des nouvelles de papa ou pas d'ailleurs? Harabi, il est mort. Il est mort dans un accident sauvage. Ah ouais, c'est pas vrai. À chaque fois tu dis il est mort, mais il est pas mort en fait. Je t'ai dit, il est pas mort, je connais la vérité, il est pas mort, t'es une menteuse. Non, là, tu vois, on va commencer à s'embrouiller quand tu parles de papa comme ça. Dis il est mort. Il est mort. Ouais, okay. Il est mort dans l'eau, les anguilles, elles l'ont picoté. Au plus, il y a les requins, il a arraché la cervelle au moins. T'as vu comment tu parles lui? On dirait que c'est un morceau de viande. Et t'as quand même vécu 20 ou la 25 ans avec lui quand même, c'est pas rien. Mais arrête. Tu crois que quoi? Tu crois que j'ai les charmés?
Non. Eh non. Bah, un peu quand même, t'as un peu de charme hein, en vérité. C'est vrai, j'ai le charme en vrai, oui. Les chats font pas des chiens comme on dit. Hein. Je suis beau gosse, t'es belle gosse. Ouais, c'est mais c'est un kelb, et toi t'es pas un kelb. Non, arrête, elle veut pas insulter le meskin, arrête de l'insulter. Y'a pas de meskin, oui, ok, on parle de mort. Bon, il t'a fait quoi? Ça, il a fait quoi? Il m'a laissé une lettre d'amour et il est parti. Oh. Attends. Oui, monsieur? Seigneur de Richie, je suis dans mon bureau là. Vous êtes au garage ou bien au bureau? Au bureau. Allez, j'arrive au bureau. J'ai un client hyper important, viens avec moi, je te montre. Il faut que tu lui fasses ralas le maximum, hein. Ah oui, là. De toute manière, j'ai pas de conseils à te donner, regarde ta maison. Non, alhamdoulilah, je suis bien, en vrai. T'es fier de moi ou pas? Oui, bien sûr. Car maman, c'est le monsieur là en bas avec sa femme là, en bas là, regarde, c'est lui. Ah d'accord, c'est qui? S'il te plaît, me fous pas la chouma, s'il te plaît. Je dis rien de toute manière, depuis quand? Comment ça, je te fous la chouma, depuis quand je te fous la chouma? Non, ça y est, y'a pas de soucis. Sois naturel, sois toi-même. Tu as pas honte de ta mère, hein? Non, bah non, jamais de la vie, ça va pas ou quoi? C'est la fierté. Bonsoir, messieurs, dames, ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Bonjour, Lola. C'est pour la Kuruma, messieurs, dames, c'est pour ça? Ouais, c'est claro. Allez, venez, on va au garage directement. Je suis avec ma mère, hein. Elle vient d'arriver fraîchement. Bonjour, señora. Bonsoir, alaikum. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, vous, señora? Ça va, alhamdoulilah, tranquille. Il est beau, mon fils, hein. Il vous accueille dans la belle entreprise. Il est vraiment bien. Il a une belle entreprise avec vraiment belle situation, belle vous. Vous devez être fier de votre enfant. Bien sûr, je suis fier. Tu peux lui faire confiance. Moi, je lui fais confiance les yeux fermés. Ouais, vraiment, moi, je serais très fier. Alhamdoulilah, comme on dit. Je suis parti, après vous et moi. J'adore votre chemise, hein, madame. Elle est très mignonne. Versace. Ça va, madame? Ça s'est bien passé? Ça va. J'ai fatigué. Voilà, c'est bon, c'est nickel. Donc le bail est cadeau, bah, du coup, ça fait 500$. Je fais une facture okay, ou vous avez vas-y, faites-moi la facture. Ouais, okay. Les moteurs, il est où? Le moteur, il est en dessous. Et lui, le professionnel. C'est un modèle spécial, celui-là. C'est vrai, hein? On est là en dessous, c'est pour éviter la surchauffe. Vu qu'il fait chaud à Los Santos, c'est pour éviter la surchauffe. Mais quand water cooling intégré. Il y a un problème alors. Ah, non, mais ça c'est pas pour prendre les dodans, ça, madame. Hein. Ça, c'est pour prendre beaucoup de choses, mais pas des dodans. Hein. Des femmes. Mais comment tu fais alors quand la route elle est trouée? Tu fais comment? Ah, bah, faut pas prendre une route trouée déjà avec un véhicule comme ça. Déjà, première erreur. Eh oui. Alors celle-là, on peut pas l'amener à la maison. Ah, ça va être compliqué. Non, tranquille, c'est pas que ça la courroie, bien. Moi, je dois aller voir un ami qui n'est plus un ami et qui va essayer de redevenir un ami. C'est une histoire compliquée. Bon courage à vous. Bah merci, c'est gentil. Bah vous aussi, bon courage. Ouais, faites bien visiter Los Santos à votre... Bah oui, c'est ce que je compte faire, ouais. Amusez-vous bien, en tout cas, messieurs, dames. Merci, Richie. Allez, au revoir. Je peux prendre votre numéro, madame, s'il vous plaît. Passe le bonjour à ta maman, toi aussi, à ta tata. Bientôt. Madame, couvre-toi un peu plus. Je voulais prendre ton numéro, madame. J'ai jamais trouvé de personne aussi âgée que moi dans cette ville. Oh, vous avez quel âge? Tu as quel âge, toi? Tu as fait le Botox, hein? J'ai 52 ans. Ah ouais, ça va, vous êtes après la même génération. T'as un iPhone 6. Mais j'ai l'iPhone 13. 15, 16, 90. Je te mets l'emoji fantôme parce qu'on est bientôt déchaînés, toi et moi. Ah, d'accord. Mais pour le DVZV, on est loin. Comment on sort de là-dedans? Là tout droit, bah montez dans le véhicule, je vous dépose. Gracias, vous êtes bien aimable, messieurs. Ah, y'a pas de soucis, c'est normal quand même, vous êtes presque l'ami de ma mère. Gracias, merci beaucoup, c'est arrivé. Bon, maman, je vais aller voir un ami en fait, un ex-ami qui t'a insulté tout à l'heure, je vais juste le dég-dég vite clochard. Fait. Clochard. Ouais, je vais le dég-dég vite fait et je te fais visiter ta prochaine maison, Charles, ok? D'accord. Et après, on ouvre ton compte bancaire, comme ça je te dépose l'argent. Oh, il est là! C'est lui ce clochard, C'est lui. C'est lui. Arrête-toi. Ah, vous êtes là, vous. Oui, on est là. Monte dans la voiture, monte dans le coffre. Ah, maintenant, on est amis. On n'est clairement pas amis, justement. Monte dans le coffre. Dans le coffre, ça, j'en change jamais. Laissez-moi tranquille. Monte dans le coffre, je t'ai dit. Monte. Dépêche-toi. Merci, Dylan. Je te passe l'argent après. C'est le clochard qui t'a insulté, on est d'accord. C'est pas, il a dit c'est la catin de Richie, de la mère, le catin de Richie. J'ai rien compris, je sais pas c'est quoi le catin. Ouais, il est en train de me chauffer. C'était un véhicule au début. Le jour où ma mère elle arrive, il l'insulte. Bah mon vieux, alors là. Attends, maman, je vais te montrer chez moi en même temps. On va se poser, on va s'expliquer avec l'Ahmad là. D'accord. Avec une bière en plus, il a pas honte. C'est un Allemand, il s'appelle Hans. Et il était gentil, et du jour au lendemain, il a pété un câble. Qu'est-ce qui lui arrive? Arrête, c'est la voiture de mon fils, hein. Doucement, hein. Tu te tais. Quoi? Je comprends pas votre langue, madame, allez vous faire cœur à neuf. Oui, c'est ça, hier t'appelais Hassan, aujourd'hui t'es Hans, arrête de te foutre de ma gueule. Allez vous faire foutre maintenant. Quoi? Il lève sur ta tête, tu vas voir. Je crois qu'il est bourré, le hamar, Allah. Va faire boire le café, le chamallow, le chenot. Ah, ouais.
Ta première question, les voisins, ils sont bien ou là, ils sont comment? Parce que franchement, les voisins... ils sont bien. Franchement, ils sont bien. Ça va. Allez, descends. Pas, c'est bon signe. Lui, c'est... on m'a dit, c'est l'associé de toi, le couche-le-couche. Viens là, viens là, espèce de. Hans, viens là. On va s'expliquer là. Tu vas où? On va chez moi. Laisse-moi tranquille. Bah oui, je vais te laisser tranquille. Bah arrête d'insulter ma mère, alors viens ici. Quoi. D'enfoiré, tu m'as jeté toutes mes affaires dehors. Tu insultes pas mon fils, ça. Toi, tu fermes ta gueule. Oh putain. Dégage. Et tu t'as plu. Allez, viens. Ah, j'ai mon cœur, j'ai pas. Prends-moi mes affaires, tu ta gueule. Toutes mes affaires. Rentre dans la maison déjà. Ah, c'est. Ah, t'es que ça. Ah, mais c'est. Hans, il a foutu le bordel et tout. C'est bon. L'alcool, mes affaires. L'alcool, c'est pas à moi. C'est... La pizza, c'est pas à moi. Moi, je mange healthy. Je sais, mon fils, c'est pas à toi. Je sais. T'inquiète pas. Bon, Hans, il t'arrive quoi là, être bourré comme ça là? C'est moi tranquille, c'est terminé, toi et moi. Ta gueule, arrête de me foutre la honte devant ma mère. Connard, va. M'en fous de votre mère. Mais quoi? J'en ai rien à foutre. Ressaisis-toi, Harry, sinon je vais t'en mettre une dans la tête. Moi tranquille, Richie, tu m'as déçu. Non, excuse-toi. Tu t'excuses auprès de ma mère. Ramène-le chez lui, il veut. Si tu me respectes pas, moi, au moins tu la respectes, elle. À l'aéroport. Ça va pas, non? Tu t'es dit quoi? Si moi tu me respectes pas, au moins elle, tu la respectes, d'accord? C'est ma mère. Elle t'a rien fait. Tu me respectes, moi et Louis. Il a du kohl sur les cheveux, sur les yeux, lui. Clochard. Et voilà, j'en étais sûr, et voilà. Tu vois? C'est le karma, ça. Je vais l'installer sur le canapé, il dort. Fais de la peine, skin, les clochards. Ah, mais lui, c'est... maman, je t'ai expliqué, lui, c'était un bon gars. Et du jour, hier, à partir d'hier, il a commencé à être jaloux de moi parce que j'avais plus d'argent que lui. Ah, la jalousie, c'est pas bien, ouais. Mais ouais. C'est pas bien, mon fils, la jalousie. C'est ça. Tu devras être content pour mon fils. Rien. Regarde, il est riche, il est beau, il est séduisant, il est costaud, il a tout. Ouais. Votre fils, c'était un clochard. Non, écoute pas. En attendant, t'es chez lui et c'est toi qui es en position fœtale. Moi, la personne de la haute, c'est pas lui. En fait, moi, je la haute. Son père, Zarmelus, c'est un Allemand, il vient de la haute. Il a de l'argent. Mais son père, il est dans le coma, il lui envoie plus d'argent. Donc en fait, son rêve, c'est de devenir l'homme le plus riche de Los Santos. Sauf c'est un Ahmar, c'est un Aggoun, il sait rien faire. Et tu veux être comme mon fils? Et maintenant, il est jaloux de moi parce que j'ai plus d'argent. Mais moi, je l'aide. Je donne de l'argent, je lui donne un toit, à manger, etc. Et le jour au lendemain, il a pété un câble. Ouais. Aucune reconnaissance. Ouais, t'en penses quoi? Ah, tu es comme ça. À part faire du thé à la menthe, qu'est-ce que vous savez faire, vous? Pas bien la gratitude, hein. Je peux te faire des couscous aussi, oublie pas. On veut pas de votre couscous. Et du tagine, hein. Ferai pas. Vive la bière. Oui, d'accord, oui, la bière sans alcool, si tu veux. Et pour le moment, t'as le hamar, t'as des chaussures sur mon canapé, déjà. Les enlève. Je m'en fous. Quoi? Mais un drap, attends, je vais chercher un drap, il faut pas qu'il dorme sur le canapé, il va te le salir. Wesh, Hans, ressaisis-toi, wesh. Oh là, on dirait un halouf, on dirait un porc, là, chez moi. Laissez-moi tranquille. Non, mais t'attends le jour où ma mère revient pour me foutre la honte comme ça? M'en fous. T'as dormi où? Je reprends mes affaires et je m'en vais. Ta gueule, t'as dormi où? Dans une benne. Combien d'étoiles? Ça te fait rire en plus, enfoiré. Ouais. Allez, lève-toi, tu passes le drap en dessous. Allez, lève-toi, ma mère te donne un drap là, au moins, ouais, t'as pas froid. Ouais, tu te mets en dessous pour pas salir le canapé surtout. Et vas-y, arrête voilà, de tomber. Voilà, t'as de la chance que ma mère elle t'aime bien, là, sinon je t'aurais mis une balle. Vas-y, hein, tu me fais de la peine, ça se voit, ta famille elle t'a dégagé de chez eux. Vas-y, assis-toi ici, regarde la télé, nous on va aller regarder la maison pour ma mère et son compte bancaire. Je te ramène un stall si tu veux vomir. Attends, il est où là que la salle de A? Voilà. Bah, je ressaisis-toi, frère, c'est quoi ces cheveux et tout? Laisse-moi tranquille. Bah ouais, je te laisse tranquille, t'inquiète. Quand t'as envie de vomir, t'hésites pas dans le seau. Bah, vas-y, on arrive. Allez, hein. On y va. Ok. Affaires qui nous attendaient. L'Ahram, il me fait pitié celui-là. Mais ouais, mais moi je l'aime bien, mais c'est un chien. Fallait me voir comment il me parlait hier. C'est pas comment il est naturellement. Là, je le vois, il est en clochard. Je me dis pourquoi tu aides les clochards, c'est tout. Parce que c'est un ami. On a fait des affaires ensemble. On a fait un peu de business ensemble, c'est pour ça. Il est avec moi dans l'entreprise. Business, il me ramène des clients pour une location, etc. Tu vois. Et ouais. Moi, j'ai réfléchi. Là, c'est ma maison, tu vois. Et toi, ta maison, elle va être juste là, à côté. Ah oui, juste à côté, ah, mon fils. Vas-y, oui. Attends, je vais appeler l'agence, comme ça ils vont venir. D'accord, comme ça, direct, je te vois et je te perds pas de vue. C'est et ça. Tu veux manger, c'est juste à côté, tu viens. C'est pratique. Tu manges les tagines. Vas-y, viens, maman. Belle, la voiture. Et la voiture dans les garages, tu l'as eu comment, en fait? Y'a pas de la haram, hein? Non, pas du tout, maman. Moi, c'est zéro haram. Hein. Oh, tu me connais, hein? Quand j'étais petit, j'étais un petit haraimi, mais maintenant que je suis grand, ça y est, c'est fini c'est les bêtises. Bon, hein. C'est bon, c'est... À moi, pas de prison, pas de javé, pas d'armes, pas de drogue. T'as rien fait hein, pour avoir j'ai tout ça. Rien. Je te donne le numéro de 42, c'est le capitaine de police, tu l'appelles, tu lui poses des questions, casier vierge. D'accord, donne le numéro, c'est juste au cas où. Ah, la confiance. Hein. Ah bah, c'est toi, t'as pas traîné avec les voyous, c'est l'essentiel. Ah non, moi je traîne avec aucun voyou. Hein. Bon, hier, j'ai aidé vite fait des voyous à s'échapper d'une banque, mais parce qu'ils m'ont loué mon hélicoptère.
Non, mais parce qu'ils ont loué mon hélicoptère. Ils m'ont donné 45 000 $. J'ai pas dit non. D'accord, mais en tout cas, le nom, ton nom, il sort pas de leur bouche. Ah non, 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 non. Sinon, tu les coupes la langue. Non, maman, je peux pas faire ça. C'est des gangsters, ils sont dangereux. Chico, il faut que je passe le permis. Là... Faut que je sois indépendante quand même. Ah, t'as pas passé le permis encore? Je sais pas conduire. Je suis zéro. Zéro, faut que je commence depuis le début. Bon, bah, tu sais quoi, avant de passer le permis, parce que je pense qu'ils vont te le retirer sinon, tu vas t'entraîner avec ma voiture, c'est bon? Tu m'apprends, tu me dis comment je passe avec ce guidon. Après, aux États-Unis, enfin, ici à Los Santos, c'est automatique, hein. Y a pas de. C'est pas comme. À Dubaï aussi, c'est automatique. C'est pas avec les trucs avec numéro 5 et 6. Non. Je vais juste récupérer vite fait l'argent dans mon bureau et je descends. Je te mets un peu de musique en attendant. Je suis prêt à l'aide. Ta musique préférée. Il fait un petit peu froid ici. Il y a le brouillard en plus. C'est à côté de la mer, c'est pour ça c'est l'humidité. Oui. Resté combien de temps du coup? T'as tardé un peu là-bas? 2 mois ou les 3, je sais plus. À peu près. T'as fait des nouvelles rencontres, t'as croisé des gens, des amis. Mais que par intérêt en général. Hein, par intérêt que... Ah, comme moi. Oui, le boucher, le boulanger, la couturière et les coiffeuses. Voilà, ce genre de choses quoi. Après les autres, je les esquive parce que toujours à un moment donné, ils vont te demander la main, puis le bras, puis le doigt. Et après, il n'y a plus rien. Ça, c'est... Mais c'est pour ça que moi, c'est pour ça qu'on m'appelle le rat. Je suis une pince, je pense qu'à l'argent. Moi, c'est juste ça, voilà. le flou. Comme ta maman, c'est exactement, bien. Bah... C'est bien, comme ça, tu penses. Hein. Si tu laisses personne te prendre quoi que ce soit, c'est que lui. C'est pas lui qui a loué la voiture? Ouais, je crois. Il veut faire quoi? Il sait pas conduire? Je vais le voir, mais ce qu'il a besoin d'être. Yo, je sais pas. Monsieur, c'est pas le parking ici, hein? Si, claro. Oh, il y a mon nom sur la plaque. J'avais jamais où. Comment pourquoi ça? Ah bon? Si, c'est mon nom, Flaco. Vous appelez Flaco? Ah bon? Oui, c'est mon nom, si. Vas-y, viens, maman. C'est ici. Regarde, Pacific Standard. Voilà. C'est fait. Wow, les standards. Voilà, tu leur demandes un compte premium +++, hein. Pas un truc Zama. Premium t'as le +++. Oui. Et c'est la même chose. Les comptes premium t'as le +++, s'il vous plaît. Ma carte d'identité. Tiens, je te donne l'argent, okay. Tu déposes ça. Attends, ça pèse lourd, hein. Ouais. Tu crois qu'on joue ou quoi ici? On a travaillé ici, maman. Hein. Attends, d'abord, je les compte. Bon, après, donc, Zubeda faisait Pampera pas Dubaï, Richie. Je vais pas les Pampera, puis t'arrêtes de dire Zubeda, hein. Tu dis Yama ou bien Ma ou bien. Mais je t'ai toujours appelé comme ça. Tu te rappelles quand j'étais petit, je t'appelais Zubeda. Pour t'embêter, j'aimais bien. Non, Zozo, rien du tout, hein. Zozo. Attends, laisse-moi, je raconte encore, tu me fais perdre. Combien la maison? C'est 300, je crois, ou 250, je sais pas. C'est pour ça que j'ai donné un peu plus pour être sûr. Après, là-dedans, il y a le permis. Et puis, après, pour meubler un petit peu la maison. Et surtout, les séances à l'hôpital. Ils vont te demander, séances, je pense. C'est des séances, tu crois, c'est quoi? J'y vais au kiné, les séances? Non, mais les séances de chimio, tout ça, les analyses, voilà. Les examens. Ah, j'aime pas dire ce mot-là, c'est pour ça, je dis séance, c'est mieux. Au moins, on dirait que tu vas à Fitness Park, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Vas-y, il faut que je me mette d'ailleurs. Il y a le fitness ici, ou le yoga, ou le je sais pas quoi. Ouais. T'as les riches. Il y a tout. Moi, mon business, voilà. C'est location de voiture, on fait des volants d'apesanteur, on fait des courses de monstres. Ah, tu veux faire de la Formule 1 après? Non, j'ai mon cœur, je fais pas ça. Hein. Oh, Zouzou en Formule 1, oh là là. Ah, mais de la vie, allez, c'est bon, monsieur, voilà. Fais bon. Attention, hein, je t'ai donné, je sais compter. Hein. Un numéro, non, mais un pas, billet qui passe, je t'écore, je te... Allez, on y va. Faut pas dire ça. Oh, pourquoi? Mais maman, t'es déjà volé ici, déjà c'est mal vu. Déjà, je me demande comment t'as passé la douane, Saraha. En faux, c'est le hijab, c'est pas content, il a qu'à voir. Lui aussi, hein, les chrétiens, ils ont le hijab, hein. Oui, je sais, mais t'es pas chrétienne. Zubida, ça fait pas très chrétien, maman. Heureusement, je suis pas chrétien. Dis pas ça, arrête de dire trucs comme ça. Heureusement, parce que je suis musulmane. Ouais, je sais, mais après, tu vois, eux, ils ont des a priori, des clichés, donc faut pas leur donner raison, tu vois. Ah, je vois, ouais. Vas-y, on va appeler l'agence immobilière, comme ça tu vas découvrir ta maison. Oui, ta maison. D'accord, et ma maison. Avec ma cuisine, mes casseroles, avec mon frigo. Argent. Mon argent, j'ai bien travaillé, parce que j'ai été porté quand même 9 mois. Bah oui, c'est du travail. Éduqué, c'est du travail, c'est la sueur de mon front, hein. Oui. Y'a pas que le front, hein. Je me rappelle, Mskina, tu travaillais tôt, t'allais travailler à l'usine et tout. Dans les coutures, là, y'est... Le dos courbé fini, et tout. Ah, c'est fini tout ça, j'ai un peu pleuré, moi. Hein. T'as pris ta retraite anticipée, là? T'as quel âge? Déjà 57, tu m'avais dit. Arrête, ça passe vite. Oui, mais le dis pas, faut pas le dire.
Ok, ok. C'est ça, c'est ma maison et c'est 2, 8, 4, 8, 9. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. J'avais même pas vu, mais elle est incroyable en fait la maison. Ouais, la piscine, je regarde. Mais voilà, j'avais même pas vu. Elle fait la taille de ta maison, la piscine. Voilà, j'avais même pas vu. Voilà, et j'échange pas. Et c'est pas remboursé. Ça, c'est, ça va me faire du bien, ça, pour ma santé. Hein. Je vais faire l'aquagym. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, ouais. T'as pas intérêt à être jalouse, dis-moi. Eh ouais, on est des nouveaux riches ou bien des anciens pauvres, ça dépend quand voilà. Vous voyez les choses. Femme sur baisse. Bande de chiens. Sur moi et sur nous. Bande de rageux. Voilà, restez un chien, les rageux. Et nous, on est dans notre piscine pendant que toi, t'es dans ton jacuzzi. Eh ouais. Fais mal, sa piscine, on dirait une flaque d'eau, et je te clochard. Regarde nous, c'est un océan, machin là. Oh, avec une terrasse au-dessus et tout, t'es bien. Oui, les fontaines, comme ça, j'ai poil le thé ici. La petite fontaine. Et tout. Moi, je passerai la tondeuse. Les copines riches. Hein. Je passerai la tondeuse. Les copines pauvres, c'est fini. Hein. Elle est pauvre, maman, c'est rien, elle est pauvre, c'est une perte d'argent là. L'autre, elle est riche, l'autre, la zouze, la vieille là. Je sais pas, je la connais pas du tout là. Qu'elle veut me gratter l'amitié et tout, mais. Ah, dès qu'elle gratte le portefeuille. Hein. Voilà, c'est ça. Ah non. C'est gratte les cadeaux, les gâteaux, tout ça, d'accord. Mais en tout cas, par contre, tu vois, ils viennent apparemment d'une île. Elle s'appelle Cayo Perico. C'est une île, toi t'aimes bien la plage et tout. C'est tranquille là-bas. Je vais essayer de demander au... Tu vois le monsieur qui m'a loué une voiture là avec le chapeau là. Flaco. Ouais. Et bah lui, tu vois, il habite là-bas, à Cayo Perico. Et je fais du business avec eux. D'accord. Je ramène des gens là-bas, je fais des allers-retours en hélicoptère et tout. D'accord. Ah, donc ça c'est bien. Si un jour tu veux te reposer là-bas, je peux te déposer. Ça c'est bien, d'accord. C'est les bons plans, ça j'ai noté. Les bons plans. Heureusement, elle a pris mon numéro. J'espère qu'elle va appeler. C'est bon, je crois que c'est eux. Bienvenue chez ma mère. Moi, allez, rentrez. Ah oui, d'accord. Comment J'arrive, attendez. Comment ça, ouais, d'accord. Chem, je rentre. N'ayez pas honte. Ma tâche, chef. Mais n'ayez pas honte, monsieur. Mais non, j'ai pas honte. Je me garde, j'ai pas envie de. Sois pas timide, monsieur. C'est ma mère. C'est que ma mère. Et c'est qui elle? C'est un stagiaire, je crois. Non, moi je suis agent, moi c'est. Elle, c'est la stagiaire, ouais, exactement. Eh ben bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de vous être déplacés. C'est là, monsieur. C'est rien, pas de soucis. Madame, bonsoir, monsieur. Je me présente, je m'appelle Richie et c'est ma mère, elle vient d'arriver à Los Santos et bah petit cadeau d'arrivée, je voulais lui offrir une maison parce que les petits cadeaux, en plein pied, c'est pas les grands. Ah ouais, c'est un petit cadeau. Franchement le cadeau il est pas mal. Hein. Bah, non, attends, excusez-moi, mais, j'enlève juste mon cigare quand même. C'est ma mère, hein, c'est un petit cadeau ça pour ma mère, tranquille, elle m'a porté 9 mois quand même. C'est le petit, quand même, c'est pas rien ça, 9 mois, tu verras. T'appelles comment toi? Et moi c'est Jack McKay. Quand les mariages, je sais, ça se voit comment tu la regardes. Elle s'appelle comment elle? C'est quand les mariages? C'est Sam, je sais plus, Sam Gonzalez, il me semble. Ah ouais, c'est ta future femme. Non. Ma mère, elle peut t'arranger un coup si tu veux. Non, moi je suis déjà pris, j'ai déjà pris, monsieur. Ah, t'es déjà pris? Oui, elle est à Oujda, au Maroc. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est visé loin. Ah, c'est une sacrée trotte quand même, Oujda. Ah, c'est à côté de l'Algérie, je reconnais. Ouais, c'est pas loin. 2-0 contre le Comore, t'inquiète pas, on est là. Exactement, j'ai vu. Mais franchement, le gardien comme rien, il est pas mal. Hein. Wow, mais il a géré de fou. Ils auraient dû perdre 8-0. Exactement. Ouais, Hans. Ouais. Franchement, il est chaud. Je fais un bon, moi. C'est un bon? Ouais, j'ai vu dans la machine, il n'y avait plus de produits. J'ai mis mon produit naturel. Fils de pute. Voilà. Arrête d'insulter, oui, calmez-vous. Vous venez d'où, madame? Je viens de Dubaï, là. Ah ouais, Dubaï, ouais. Ouais. Et vous êtes de quelle origine? Irakienne. Tu poses trop de questions, toi, c'est une clé. Et d'ailleurs, non, mais non, je demandais, parce que Dubaï, c'est très beau, Dubaï. Non, moi, je suis pas la police, du tout. C'est ma mère, hein, oublie pas. Eh bien, non, mais bien sûr. Mmh. Elle est où, ta mère, toi, d'ailleurs? Voilà, c'est ouvert. Madame, merci. Je vous laisse y aller. Non, c'était pas cet intérieur-là. Cet intérieur-là? Non, vous savez quoi? Ma maison est juste à côté. Je vous montre l'intérieur que je veux à peu près. Ouais, bien sûr, ça va. Bon être... Ah oui, effectivement, rien. What? Quoi? Fils de pute. Ah! Voilà. Eh ben, c'est rien, c'est un ami à moi. En fait, c'est cet intérieur-là, mais en amélioré, vous savez, en plus grand. Mais beau l'aider. T'as vu, il était en train de pisser dans mes fleurs. Après, tu me dis de pas l'insulter. Je suis obligé de l'insulter, regarde ce qu'il fait. Hop, je vous laisse avec la stagiaire, moi je vais juste retourner prendre les dimensions, la façade en photo, tout ça, y a et pas de vous soucis. Rejoindre. Bah du coup j'avance plus vite et puis je vous fais ouais, ça. Ouais, allez-y, ouais, ça marche, merci. Vas-y. Ah, t'arrives à courir un petit peu ou pas? Doucement, hein. Descente, ça va, mais pas... voilà. C'est vrai que la descente c'est... Oui. Eh, hey, on vient de parler des voisins, tranquille et tout. Attention. Clochard. Désolé, mon fils, mais faut que je t'éduque, hein. Tu fais pas attention. C'est quoi ces cheveux? C'est à cause du bob, maman. C'est...
Mais c'est quoi ça? C'est le bob naturel? Mais c'est à cause du bob, ça prend la forme, c'est pour ça. Ah, voilà. Là, on est bien. Ça me ressemble bien. Là, c'est parfait. Voilà. On est donc bien cela. Voilà. Oui, c'est ça, c'est nickel. Voilà. Viens, regarde ici. Voilà. Oh, la même ici. Ah non. Ah, c'est le salon. Le bureau, les affaires, le business. Le business. D'ailleurs, j'ai une idée de business, mais je la dis pas parce que les murs t'as les oreilles. Ah ouais. Et quoi ça? C'est la buanderie. C'est là où tu vas dormir, regarde. Je veux me rouler dans tout le lit. Ah bah là, rouleau de avec printemps. La télé installée. C'est quoi ça? C'est quoi les shrubs? C'est quoi l'alcool? Non, mais c'est les anciens. On va en vendre. Non, c'est du faux. Elles sont vides. Des collections. Il n'y a pas les collections. C'est à la poubelle. Jetez-les si vous voulez. Chauffe, la même. Regarde. Voilà. Douche, la même. Tout. Voilà. Et ouais. Je vais faire du hobs avec les farines et tout. Oh là là. Ah ouais, tu vois, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas mangé des trucs. Trois fours. Eh oui. Oh là là. Oh là. Il y a trois fours. Je vais faire du hobs. Là, si tu me prépares pas à manger, je comprends plus rien. Semaine. Oh, j'achète. C'est bon, on achète. Ah, c'est confortable. Ah, ça me fait plaisir que ça te plaise. C'est confortable. Oh là là. Ouais, je sais pas, je la sens pas trop. Là. Je sais pas, elle s'appelle Sam. Sam, déjà, c'est un prénom. Ça m'embête déjà. Moi, ça m'énerve. Ça me casse les couilles. Attends. Faire les réunions avec les clients. Je sais pas que tu me déranges. Pourquoi ça fait bip dans la maison là? Pourquoi ça fait bip? Je sais pas, j'allume une cigarette, ça fait bip. Fils de pute, attends, bouge pas, j'arrive. Mais arrête! Pourquoi il fait des trucs comme ça? Toi, faut vraiment que t'arrêtes de me frapper. Bon, c'est bon, tu te ressaisis là? Attends, tu pisses dans mes fleurs, tu fumes, tu veux niquer ma maison ou c'est quoi le projet? Bon allez, c'est bon. Mais je te laisse une deuxième chance, tu comprends pas, ça y est. Y a ma bière dans le frigo là. M'en fous. Allez, c'est bon, tu dégages. Lâche-moi. Tu peux pas comprendre? Salam alaikum. Y'a ma bière là. Oh bah, le moment? Hey Théo. Ouais, j'arrive parce que Hans il a commencé à mettre le feu dans la maison, ce connard. Je l'ai sorti là. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah, ça y est, je l'ai foutu dehors, il a voulu me foutre le feu à la maison. Il est fou lui. Amène-le à l'hôpital. Tu moustiques, dégage. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Mais pourquoi tu restes là? Parce que mes affaires. Quelles affaires? Mais je t'ai tout foutu. Y'a ma bière dans le frigo là. Mais on s'en bat les couilles de ta bière. C'est ma dernière bibine. Comment ça, c'est ta dernière bibine? Et arrête de boire déjà, c'est pas dans tes habitudes déjà de boire, tu fais n'importe quoi là. Tu commences à péter un câble. Les mouches, hein! Mais cassez-vous les mouches! Mais frère, tu t'embrouilles avec des mouches, tu te rends compte là ou quoi? Elle va t'occuper de ta mère là, ta mère. Ouais. Ouais, bah termine pas ta phrase, c'est mieux. Dépêche-toi là, que je récupère ma bière et mes affaires. Vas-y, tu sais quoi, je te passe tes affaires, ta bière et va te faire foutre. C'est pas de ma faute, c'est parce que j'avais envie de faire pipi. Mais il y a des toilettes pour ça. Tiens, ta bière. Faut l'amener à l'hôpital. Non, il se démerde, ça y est. Je lui ai donné sa bière et ses affaires et c'est tout ce que. Oh, ils ont niqué la bagnole. Ah, c'est pas la nôtre. Ah, ça va, alhamdoulilah. Qu'est-ce qui t'arrive encore, toi? Pas de marche. Il a raté la marche, y'a pas de marche. Ouais. Ah, je suis perdu. Allô? Qu'est-ce que je fous chez toi? Devant chez toi? Ok, j'en sais, moi. Je viens de me réveiller, je suis devant chez toi. Eh, frère, t'as récupéré ta bière et tes affaires et t'es parti. Et t'sais quoi, va à l'hôpital. Va à l'hôpital, va décuver, fais-toi une toilette et on reparle après, ok? Parce que là, t'as pas les idées claires. Quoi? Qu'est-ce qui... T'as pas les idées claires, va à l'hôpital et tu décuves tranquillement sur un lit. Ok. Ah, William, ça va? Ça va, toi, Richie? Ça va bien, du coup, tout va bien? Oui, c'est bon, on est en train de finaliser un petit peu l'achat. Okay. Et c'est good. Tu achètes carrément, Richie. Bah, c'est pour ma mère. D'accord, et alors, tu notes? C'est ma mère. C'est ta mère, ça? Et le 15 et le 16. C'est madame Richie. Le 90. 15, 16, 90. Tu l'as calculé, son pari, tu as un fils incroyable, je te le dis. Mais tu peux lui dire, s'il te plaît. Notaille. C'est madame comment je l'appelle? Soubita. Ok. Madame tu veux mon poids, tu veux ma taille, tu veux quoi d'autre? Madame Zoubida. Salam alaikum, ça va? La baisse rouille, comme disent les jeunes a priori, bonsoir. je tenais juste à vous dire que je connais personnellement votre fils, nous nous croisons très souvent, etc. Je tenais à vous dire qu'il fait un travail incroyable, c'est une personne gentille comme tout, avec une belle âme, et c'est un plaisir de l'avoir avec nous.
Ouais, mais ça, ça m'étonne pas. C'est mon fils, après, c'est normal. Tu m'apprends rien, là, monsieur. Oh, c'est normal, c'est mon fils. Vous avez fait une très belle éducation, madame. Vraiment, impressionnant. Ouais. Merci, c'est William, c'est gentil. La sueur de mon front. Merci beaucoup, madame. Monsieur, je l'ai aussi, 5 kilos à la sortie. J'ai dû forcer. Ah ouais, pour sortir. C'est un beau bébé. C'est un gros bébé, ouais. Grosse tête, hein. Là, regarde, il a maigré, skin, il mange pas bien depuis. Si, je mange bien, je te jure, je mange bien. Non, il a maigré, arrête. Ah, après, parce que je dors pas bien, la vérité, je dors pas bien. Le business, toujours, voilà, tu connais tu le business. Tu as le stress aussi, je le vois travailler jusqu'à des heures, pas possible, man. Dites-vous, quelques temps, je l'ai croisé à 4-5 heures dans ses bureaux à travailler, à faire sa comptabilité, les chiffres. Les chiffres, que ça tournait. Oui, ça tourne beaucoup. Oui. C'est une tournante dans son bureau. Oui. Passez une bonne soirée, messieurs dames. Merci également. Toi aussi, madame. J'espère que tu trouves Marie. Allez, maintenant, il faut que tu dégages chez toi, là. Ouais, Dylan. Félicitations. Ouais. Merci, maintenant, c'est chez moi. Hans, je lui ai dit d'aller à l'hôpital. Parce qu'en fait, il était chez moi, il a commencé à pisser dans les fleurs. Je lui ai dit d'aller décuver à l'hôpital directement, tu vois. Ah oui, ok, parce que du coup... Hans il m'a appelé, il m'a dit, vous pourriez me déposer tout, mais là-bas je suis sur un braquage de bijouterie. Du coup, je me suis dit, ça se trouve. Ah oui, tu braques pas, ok. Bah non, je suis pas ça, moi je suis blanc. Je vais être comme ça, moi. Bâtard. C'est vrai que tu disais blanc comme neige, mais en fait, non, blanc, la couleur, quoi. Okay. Ouais, c'est ça. Ça marche. Du coup, moi je pensais que c'était un guet-apens, parce que vu que je l'ai livré à toi. Non, je lui ai dit à l'hôpital pour décuver, parce que là, j'ai déjà bien dégommé, mais il comprend bien, vu qu'il est bourré, ce con, il sent pas la couleur. Oh, il est titubé. En même temps, il a dû boire 3 minutes, il est pas habitué comme moi. Moi, j'en bois 10, je tiens toujours tout droit. Ouais, non, mais t'inquiète, non, c'est pas un guet-apens, non, t'inquiète. Et je te capte à l'heure pour les 10K, ok? Ouais, ça marche, tranquille, t'inquiète, pense ici. Allez, bah bonne soirée, profite bien de ta mère. Vas-y, enfin, ça marche. Dit comme ça, c'est pas fou, mais. Vas-y, salut. Allez, bisous. Et d'abord, il faut qu'on aille aussi à l'hôpital, je me sens faible. Ah, vas-y, on va aller voir, on va aller à l'hôpital alors. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens fatigué? C'est ça, je me sens faible. Ça marche. Et t'as payé combien là, la maison? Ah, j'ai payé 35 000. Quoi? Non, t'as oublié un zéro. Oui, pardon. Désolé. 350 000. Ah ouais, je me suis dit, comment ça, ouais. Ah, t'as payé 350 000? Oui. Oh! Mais il te reste pas beaucoup alors sur le compte là? Oui, il me reste rien. Allez, on va le rapprovisionner, hein. Ah, attention, j'ai une conduite un peu agressive, maman. Doucement, oui, doucement. Non, mais comme papa, papa il m'a expliqué comment conduire dans la vie, c'est comme ça qu'on doit conduire. Faut pas l'écouter, c'est pas les bons conseils qu'il te donne. Mais moi, je me suis inspiré de lui, maman, la vérité. Mais non. Il a mené dans sa perte. Mais quelle perte? Il est encore vivant, de quoi tu parles? Mais arrête de dire ça! Il est pas mort! Il est mort, c'est bon. C'est clos, c'est l'histoire, elle est close. Je comprends pas la haine que t'as envers lui, en vrai. Ah, la haine, là, je suis heureuse. J'ai ma voiture bientôt, j'ai les permis bientôt, là, j'ai ma maison, j'ai mon compte, et mon fils, surtout. Eh bah oui, t'as oublié. Là, c'est le meilleur pour la fin, toujours. Ouais, c'est vrai. Faut que... voilà, je sais pas, t'as combien? T'as 32 ans? Tu n'as pas encore marié? Oh, commence pas, non, on commence pas, c'est bon. Je sais, t'aimes pas qu'on parle de ça, mais quand même! Non, mais je sais, tu vas vouloir me caser avec toutes les meufs que tu vas croiser. Oui, pensez, non, pas toutes, attention. Hein. Moi, je prends que les meilleures. Hein. Oui, c'est ça, tu m'as donné 100 000 dollars. C'est bon? Voilà. T'as combien sur ton compte là actuellement? 100 000 dollars. T'as 100 000 dollars sur ton compte? Oui. Au total? Oui. Ok, allez, c'est parti. C'est cher, hein, l'appartement. Ah ouais, c'était cher. Hein. Voilà, tu crois que quoi? Tu crois que ta maman, elle ment? C'est une cadavre? Mais non, pas du tout, non. Ça va pas? Tu me fais répéter? Il est en train de m'arnaquer des fous. Genre tu te sens faible, c'est-à-dire par rapport à ton traitement ou... Comme ça, je me sens faible, peut-être c'est le T'as faim? T'as mangé? Oui, j'ai faim, ouais. T'as faim? J'ai sérieux? J'ai soif, ouais. Attends, tiens, je te donne à manger. C'est gentil. Tiens, des petites brochettes. C'est quoi ça? Un petit thé glacé et des mochis. C'est japonais, c'est super bon. C'est quoi? Oh, qu'est-ce que t'as? Et pourquoi il est bizarre? C'est du thé glacé, c'est en fait eux ils font du thé froid, nous on fait du thé chaud. C'est le yin et le yang, tu vois. Je vais les mettre au micro-ondes, je le garde. Non, ça se mange comme ça. Ah non, elle dit, c'est le thé, c'est chaud. Mais maman, t'as 3 fours, quel micro-ondes? Mais je l'ai mis dans le four après, voilà. Le yakitori. Ça me rappelle quelque chose, ça. Et le mochi. Mochi, c'est ça que tu m'as dit. Hein. Ouais, c'est les gâteaux. C'est les petits gâteaux glacés. C'est le hello japonais, chinois. Qu'est-ce qu'il fait, Louis? Putain, mais il casse les couilles. Hans, qu'est-ce que tu fais là? Richard. Je suis à l'hôpital. Tu faisais quoi à l'hôpital? Oui, il est beau, Lys. Attends, tu sais quoi? Je vais déposer ma mère, elle se sent pas bien parce qu'elle est à l'hôpital. Et on dirait que tu es sa femme. Il est perdu là. Tu veux te faire ausculter par une femme, hein? Bien sûr, tu crois quoi? Tu crois que c'est un homme? C'est le mot comme il est où le docteur? Non, faut que tu l'appelles.
Je crois qu'il y a une... Il y a une salle d'attente. Docteur. Arrêtez de gueuler. Ça tire. T'as pas besoin de crier. Ça tire dans le... dans... Wesh, 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 sortez, sortez. Dans le comico. Oh lolo, c'est dingue. Ils ont abattu quelqu'un. Ouais, dans la salle d'attente. Ouais, ça tire encore. Wouah. Dedans. Ouais, ouais. Wow. Que personne ne rentre, sortez tous s'il vous plaît. Sors, sors, viens, sors, viens, sors, viens, sors. Pour aller là-bas, mais... Allez, sortez, sortez, allez, sortez, allez, sortez, 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 sortez. Et on sort. Ouais, je te couvre, ok. Ça va, maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'as bien suivi ton maman par là à l'hôpital, hein? Voilà, c'est le zar, c'est les chances. Oh là là, viens, viens, on se casse. On ira une prochaine fois, je crois, maman, à l'hôpital, hein. C'est quoi, ça? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est les terroristes. Je sais pas, mais c'est parti en cacahuète, hein. La police, il est devenu fou, Marbon. Non, 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 il y avait des gangsters dans la salle d'attente tout au fond qui tiraient sur la police. Oh. Hans, monte, monte, ça tire. Pas fainé. C'est les Vagos, ils ont canardé dans l'hôpital. Ouais, je sais, Alba, elle m'a appelé. Comment ça, Alba, elle t'a appelé? Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit, si on se voit plus, adieu. Quoi? Ça fait deux fois qu'on m'appelle. Qui est Alba? C'est une Vagos, c'est des criminels. Qui les Vagos? Oh, moi c'est une longue histoire, les gangs et tout ici. D'accord. Et les gangsters? Ah, c'est des gangsters, ben oui, ils tirent et tout. Oh, même ici, les gangsters. Là-bas, l'Amérique, les gangsters. Et ici aussi, les gangsters. Ben, vous allez voir, madame. Tu veux aller passer ton permis? Je sais pas, d'accord. Vous allez connaître plein de coffres dans la ville, vous allez voir. Non, non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, mieux, le clochard, ou là, c'est comment? Non, mais lui, il aime bien aller dans les coffres des voitures et tout, laisse tomber. Parce que les gens, ils le prennent pour une victime. Pourtant, je l'ai appris à se défendre et tout, mais bon. Tu es pas fragile, monsieur, t'es un rageul. Eh oui. T'es un rageul. Bah quoi, t'es pas un rageul? Oui, oui, je suis un rageul. À chaque fois, tu disais, ouais, je suis un Hans Werner est un rageul. Oui, c'était avant. Bah ça va, c'était avant, c'était hier. Hein. Mon fils, c'est un rageul ou non? Est-ce que c'est vous de dormir dehors? Ça va, t'as dormi une nuit, frérot, t'as dormi 15 ans, là. Bah et alors? Vas-y, ouais, remonte, c'est ici. Non, non, il faut que tu m'apprennes d'abord. Moi, je vais pas passer le test maintenant. Ah ouais, bah vas-y, bah monte, monte. Alors, ouais. Attends, je t'explique. Hein. Voilà. Alors, la pédale tout à droite, c'est pour accélérer. La pédale du milieu, c'est pour freiner. Le volant gauche-droite, classique. Voilà, ouais. Classique. Gauche et voilà. Droite. Mets les clignotants pour voir gauche-droite, ça fonctionne. Non, non, quand tu le descends, c'est à gauche. Ah, je descends sur gauche, à droite. Voilà. Ah, et quand tu le montes, c'est à droite. Je monte sur droite. Voilà. Appuie sur le bouton rouge là sur le tableau de bord, le warning. Voilà. Nickel. D'accord. Ah, c'est bon. Pourquoi, là, tu vois, là. C'est quand tu dois vite partir parce que tu es. Warning, c'est. Ouais, ouais, soit ça, soit pour dire aux gens de ralentir, etc. sur l'autoroute. C'est quand tu as les mariages aussi. Ouais, aussi, ouais. Le klaxon, c'est sur le volant. Et c'est. J'appuie dessus. Appuie. Voilà, ça tu gères, ça c'est bon. Ça y est. C'est bon, on a compris. T'as réglé les. Chut. T'as réglé les rétroviseurs, c'est bon? Les rétroviseurs, tout oui, est réglé? Je vois le miroir gauche, miroir droite. Le siège, il est bien réglé à ta hauteur? C'est bon. Attends, je le recule un peu, parce que là, mon ventre, il est serré. Vas-y. Hop, voilà. Le volant, c'est bon? Il est bien réglé? Oui, c'est électrique, hein, tu peux le monter et tout. C'est bien. Ok. C'est bien alors, 8h16, c'est ça. C'est ça, 10h10. Alors, tu mets l'adresse sur le GPS. Voilà. C'est pas très compliqué, hein. Allez, bismillah. Ouais. Allez, j'ai fait quoi? J'ai freine? Non, là t'accélères, tu tournes tout à gauche. Tu fais un demi-tour. Non, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Ça. Mais tu ouvres les portes là? Oh, doucement. Fais une marche arrière. Oui. Voilà. Stop. Ah, ouais, c'est nickel, c'est oui. Parfait. Mais c'est nul. Mais tais-toi, de toute façon tu sais pas conduire toi. Volant, braqué à droite, tout à fond. Oui. Accélère. Ah, tu conduis comme moi. Ah, c'est. Franchement, il faudrait juste améliorer le fait que tu fasses ça sur la route et pas sur le trottoir. Sinon, d'accord. Le reste c'est bon. Marche arrière. Non, merci, marche arrière. Bien. Voilà, tu braques vers la droite. Voilà, stop. Ça y est, tout droit maintenant. Oh, la voiture, elle a rien. Alhamdoulilah, elle a rien. Elle est nickel. Hein. Elle est nickel, la voiture. Tout droit. On va peut-être passer au Bénis avant d'aller. Dans quelle ligne? Celle de gauche. Gauche. Non, peut-être. Milieu, reste au milieu. Milieu, ouais, milieu c'est bien. Milieu, d'accord. Comme milieu ça. C'est bien. Ouais, voilà, oui. Nickel. Ah, tu vas tout droit. Tout droit. Tu vois tout droit, voilà. Allez, là c'est la pente, c'est gratuit. Tu m'as comme dit à gauche. Hein. Non, à droite, là c'est à droite. D'accord. Voilà, d'accord. Là tout droit, tu bouges pas. Je vais tout droit, je bouge pas. Attends. C'est qui cette folle? Ta gueule. Aïe, bon, c'est... Bon. Ça va pas, là, ça va pas.
Il a sa... C'est pas ça va pas, c'est de la merde. Tais-toi, toi. C'est la première fois qu'il conduit. J'ai commencé à être vulgaire. Bon, la vérité, maman, c'était pas mal. C'était pas mal. C'est un hypocrite, vous savez pas conduire, madame. Tu te tais. C'était pas mal en vrai, mais il faut améliorer juste un petit peu la coordination. D'accord, attends, je monte à côté de toi. La voiture, franchement, elle a pas grand-chose en vrai, si on regarde bien. Elle a rien, juste ça fume légèrement, c'est tout, c'est rien ça. Si on dirait ton père. Après, les voitures américaines, elles sont pas costauds en vérité, Hans. Ouais, ouais, c'est. Il faut qu'on prenne un tank. Tu peux m'acheter un tank? Comme ça, je m'entraîne. On va commencer par des voitures, avec des roues, et après on verra pour le reste. Parce que permis tank, pour l'instant, t'as même pas le permis voiture, on verra. Ah oh, l'accident, c'est même pour plus, comme là. Ça, au moins, j'ai fait pas l'accident. Moi, dans un tank, je suis bien protégé. Ah oui, bah là, oui, bah oui, mais les autres, ils sont pas très bien protégés s'ils te percutent, tu vois. Faux, les autres, ils sont faux. Ouais, ouais. Mais après, le clochard, ouais. Le clochard. Est-ce qu'elle a le permis de venir dans ce pays? T'as dit quoi? J'ai les papiers, si c'est ça ta question. L'américaine, ma mère, hein. T'es même pas américain. Oui, tu t'es... Oui, c'est toi l'étranger ici, espèce d'allemand. Je suis marié avec un américain, ouais. Attention. Oui, les papiers, avec ce que vous avez autour de la tête. Quoi? Et quoi les têtes? J'ai quoi la cousine? Comment est-ce qu'il a autour de la tête? Elle a une casquette, c'est tout? Et toi, t'as quoi autour de la tête aussi? T'es voilé, hein? T'as les voiles sur le front. Vas-y, on tente une deuxième fois? Maman, c'est derrière le Beniz, c'est demi-tour. Eh, t'as géré le Beniz? C'est le garage. Oh, le garage, attends. Maman, regarde avant de faire une marche arrière. Voilà, tout droit. Lui, il a qu'à regarder, c'est moi, je l'ai priorité. Ouais, aussi, ouais, j'avoue. Là, c'est à gauche. Gauche. Voilà, nickel. Passe. Oh, c'est pas grave, vas-y. C'est pas grave. Vas-y, avance. C'est grave. Non, c'est pas grave. Quand il y a personne, c'est pas grave. Vas-y. Tourne à gauche, juste après, là. À la porte en ferraille, là, à gauche. N'importe quoi. Voilà, à gauche, là. À gauche, direct. Voilà, nickel. Oh. Nickel, là c'est tout droit. Voilà. Tu vois, tu gères. Là, voilà. Comme les chefs, hein. Eh ouais, alors là. Le bruit comme les chefs, après il faut aller. À droite, direct, quand ça s'ouvre à droite là. What? Ouais, juste là. Attention. Attends, là ça va pas, j'y fais quoi là, ça va pas. Attends, lâche le volant, lâche le volant, t'inquiète, lâche le volant. Oh, tiens, je le lâche. Et voilà. Voilà. De A à Z, t'as géré, hein. Le deuxième essai était incroyable. En tout cas, Ryan, merci. Merci. Tu t'es comme merci. Ouais, je sais, je suis le pilote. Salut, Zanté, ça va quoi? Il a fini. Voilà, ça va tranquille, toi? Ça va, je suis avec ma mère. C'est ta mère. Enchanté, señorita. C'est là, monsieur le brushing, ça va? Brushing brésilien, si vous voulez, ouais. Brushing brésilien, c'est des vrais cheveux? Si, bien sûr. Faut aller au coiffeur, monsieur. Ah, Ryan, ça va quoi? C'est qui ça? Non, c'est ma mère. Alaykoum salam. C'est ma mère, quoi? Mais c'est ma mère! Ah, pardon, smahli. C'est pour les fêtes! Enchanté, madame! C'est là, monsieur! Ah, mais je me dis, en plus, elle est venue, je crois. Bah oui, bah elle est venue, elle est là, ma mère! Ça devient quoi, Richie, là? Bah ça devient. On est là, le business, regarde, toujours, en famille maintenant! C'est ta mère, Richie, tout à l'heure, j'ai voulu l'aider, elle m'a remballé, ta maman, quand même. Bah, regarde du caractère! Elle m'a dit, je traverse, je sais pas quoi, je lui ai dit, je t'ai pas demandé de traverser! Je vais monter, je vous amène à la société de votre fils! Attends, Richie, des nouveautés, un peu, j'ai monté de la moto! Ta société? Attends, c'est Ryan Jackson? C'est Ryan Jackson! Bah, y'a la Formule 1 maintenant! Tous de la même famille ou quoi? Les tours de Formule 1 de Monster Truck! C'est pas au courant! Ça va, ça va! Combien la location? Formule 1? C'est 4000 et Monster Truck, c'est 3000, sur circuit par contre! Il nous est venu con! Circuit Formule 1, aéroport du Sud, et Monster Truck, c'est dans le Nord. Tu as réservé l'aéroport carrément. Mais c'est un truc de ouf que tu fais. Ça bombarde ou pas? Regarde, ça bombarde à 450 km/h. 450? Ah oui, c'est un truc de ouf. Eh oui. C'est pour ça que vous devez me payer avant de monter dans une Formule 1. Ah oui, sinon tu le retrouveras jamais. La facture à toujours. Vas-y, merci. Vas-y, les gars, vous me dites. Ah, maman, je te présente Riyad. C'est un haut responsable du Beniz. Responsable? C'est quoi le Beniz, tu m'as dit? Il est gentil, mais il est algérien, personne n'est parfait. C'est bon, arrête, Richie, là. Ça va, on taquine. 0-0 contre le Sierra Leone, wallah, c'est bon. Ouais. C'est bon, Khalid est tranquille. 2-0 contre le Comore, Mabrouk, Mabrouk, qualifié. Et même, je supporte le Maroc, moi, je supporte le Maroc, moi. Ah, tu supportes le Maroc, et vous, madame, vous supportez qui? La Tunisie? La Tunisie. Ouais, mais c'est pour ça que je m'entends mal avec elle des fois. Dès qu'on parle de foot, on se prend la tête, tu vois. Non, mais c'est la famille, hein, c'est pour ça, c'est ma maman. Hein. Vas-y, regarde. Bon plaisir, en tout cas, bon monsieur. Allez, bon courage. Au plaisir, madame, faites attention à vous. Hein. Oui, plaisir. Là, elle est prête pour passer le permis, là. Oh, le clochard.
Et là, il est là-bas. Vas-y, Hans, monte. Je suis un mec qui aide les gens qui sont dans la misère, donc si jamais t'as besoin d'aide, Hans, n'hésite pas. Faire, il a besoin d'aide, monsieur. Ouais, madame. Quoi faire, il a besoin d'aide. Va le voir. Et maman, tu veux que mes amis ils me détestent maintenant ou. C'est quoi le projet? Il s'attache tes cheveux comme les filles. Bah ouais, ouais, bah après, chacun fait ce qu'il veut, hein, qu'est-ce que je te dis, hein. Tes amis. Bah, Dante, c'est un pote à moi. Oui, mais toi, frère, t'as déconné hier. Moi, tu sais quoi, je vais en parler à ma mère, maintenant tout de suite, et comme ça, j'aurai un avis, ok? Ouais, regarde, maman. Avis neutre. Hans, de base, c'est un ami. On a fait du business ensemble. C'est-à-dire, il a travaillé avec moi dans l'entreprise, et comme je te disais, il ramenait des clients. Il a toujours été drôle, pétillant, etc. Même s'il avait des défauts, on n'est pas parfait. Moi, je l'ai accepté comme il est. Ouais. Hier. Il a pété un câble, il m'a avoué qu'il était jaloux de moi parce que j'avais plus d'argent que lui. Et il m'a dit qu'il n'avait aucune reconnaissance envers moi. Alors que j'ai acheté une maison, il vivait chez moi, il mangeait, il faisait tout à la maison, il payait rien du tout. Et il me dit, du jour au lendemain, j'ai aucune reconnaissance envers toi. Forcément, je l'ai mal pris et je l'ai foutu à la porte. J'ai raison ou pas? Et c'est l'ingratitude, ça, monsieur. Ah ouais, l'ingratitude. Tu oublies ce que lui, il a fait pour toi. Parle pas, c'est mieux. Compris? Oh, je t'y pleure? Non. Et je t'ai pas demandé. Pas demandé de pleurer, croyant. Laisse-moi. Mais je veux juste des excuses, je veux juste comprendre pourquoi t'as fait ça. Eh, on n'est pas parfait, hein, on a tous nos failles, on est humains. Dieu qui est parfait, c'est toi. Il y a que Dieu qui est parfait, le reste, croyant, on essaye, hein, mais on n'y arrivera jamais, c'est comme ça. Et mon fils, il a fait beaucoup pour toi, alors le minimum, c'est que tu sois gentil avec lui et tu arrêtes de lui faire le stress. Surtout que moi, je lui ai rien dit hier, je lui ai donné 10 000 dollars avant je lui ai passé de l'argent. C'était carré. Là. Il est généreux, mon fils. Il compte pas. Quand tu donnes, il donne. Wow. Je t'ai jamais arnaqué. Après, quand les gens, voilà, ils ont besoin d'argent et que je les connais bien, je lâche un petit billet. Bien sûr, il fait la somme. Ah, bien sûr, mon fils. Oui, il est généreux. Bien sûr. Oui, toujours. Oui. Allez, maman. T'es sûr que je connais votre fils? Là, je fais des doigts pour toi, maman. Je sais pas, j'espère que ça va aller. Je suis stressé. Hein. Non, faut pas stresser quand même. Moi, je stresse en tout cas. Oh non, c'est pas grand chose. Toi. Oh wow, dis hamdoullah. Wesh. J'ai été voir ma psychologue. Ah ouais? J'ai discuté par rapport à ce qui s'est passé hier. Et alors? Je reconnais que j'ai déconné, mais je sais pas, j'ai cette fierté de... Je n'arrive pas à dire pardon. Oldie, Ouais? T'as pas par hasard un petit peu d'argent pour que je passe le permis? J'ai pas retiré. Ouais, vas-y, je te donne l'argent. Oh, tu restes tranquille, hein, tu mets ta ceinture. Vous êtes des rats de père en fils ou quoi? Je crois que ma mère est en train de m'arnaquer. Ah bah, t'as une mère, t'es le fils, hein. Mais non, mais frère, moi j'arnaque pas les gens. Après, c'est votre mère, hein, comme vous dites. Ah, ma mère. Pff, c'est pas le bon exemple, elle se fait niquer par 42. Bah ouais. Je voulais pas remettre les couverts, mais bon, voilà. Ah, y'a un truc qui est bizarre là en vrai. Attends. J'ai appelé les sommes parce qu'elle m'a dit comme quoi elle a payé 350 000 pour la maison. Je suis sûr que c'est moi. Les sommes, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça arrive, vous? Ça va, c'est qui au téléphone? C'est monsieur John Mora. John Morin, on s'est pas vu tout à l'heure, non, John? Non. Ok, est-ce que tu as accès au prix des maisons? Oui. Ok, est-ce que j'aime tu... Le clignotant. Attends. Arrête de dire du connu. Vas-y, maman. Courage pour le permis, hein. On te regarde. Oui, à bientôt. Hein. Salut. Arrête de me regarder, toi. Arrête. Une villa plein pied. Il y a deux modèles, on est d'accord? Oui. Le modèle est plus cher. Il y a le motel 1 et 2. Il coûte quoi le plus cher? 300 000. À l'achat? Ouais, ou à l'achat. Location. Achat, 300 000, ouais. 300 000, hein? Villa plein pied, ouais, 300 000. C'est gentil. Vas-y, merci. Et avec le coffre et tout, ça change le prix ou pas? Le coffre, c'est 100 $ en plus. Ok, donc c'est pas grand-chose. Ok, ça marche, merci beaucoup. Hans! Ouais. Ma escroquée de 50 000, elle m'a dit comme quoi elle a payé 350 000. Bah, les rats ne font pas des. Mais non, mais ta gueule, hein. Je rigole pas là. Frère, ma propre mère, elle m'escroque. Mais frère, c'est grave. Mais je peux rien lui dire, c'est ma mère. Oui, mais moi, regardez, ma mère, c'est une pute. Mais arrête, ta mère, c'est pas une pute, elle fait ce qu'elle veut de son corps, c'est tout. Elle a pas couché avec 10 000 mecs, tu vois, elle est pas payée. Et juste qu'elle se fait. Ah. En France, si. Ok. Mais ici, c'est pas une pute ici. Je sais pas, ce cas-là pour 42. Mais... Frère, écoute. Je lui ai passé 350 000 sur son compte. Elle a payé 300 000, donc il lui restait 50 000. Elle m'a dit il me reste plus rien, j'ai payé 350. Elle m'a escroqué de 50 000 parce que je lui ai remis 100 000 $ sur son compte. Et là, elle me dit j'ai pas retiré, donne-moi 1 000 $. Je crois que Roya, elle est vraiment en train d'essayer de m'escroquer. Hein. Déjà, vous êtes sûr qu'elle est vraiment malade? Parce qu'elle a l'air d'être en forme. Bah, je sais pas, moi elle m'a dit qu'elle devait partir. En fait, au moment où on est parti à l'hôpital, elle m'a dit qu'elle se sentait un peu fatiguée. Parce que moi, quand je l'ai vue la première fois, elle était en moto, roue arrière et tout. Hein. Quoi? Ah, je l'ai vu monter sur une moto, tranquille, normal, au calme. Hein. C'était quand? Quand je l'ai vu devant la place des cubes, c'est là que je l'ai vu la première fois. Sérieux? C'était vraiment elle? Ouais, c'était bah oui, bah, l'odeur de la coriandre, vous savez, il y en a qu'une. Hein. Et moi, le problème, c'est que là, c'est ma mère, je peux absolument rien faire.
C'est votre mère, comme vous dites. Moi, vous savez, j'ai pas été éduqué de la reconnaissance des parents, je connais pas. Hein. Avec ta psy, ça donnait quoi? T'as changé un petit peu ou t'es resté sur tes idées? Elle m'a dit que c'était très bien comment j'ai réagi dans le sens où j'étais venu en parler et qu'elle savait que... Enfin, que j'ai compris que, en fait, c'était à moi de m'excuser, mais j'ai encore cette fierté, j'ai du mal. Laissez-moi du temps. Je reconnais mes torts, en tout cas. Non, mais déjà, tu reconnais tes torts, c'est déjà bien. C'est déjà bien, c'est un premier pas. Un premier gros pas. Ah, c'est un gros pas? Ah, frérot, oui. Vu la fierté que t'as, on se demande, tu viens d'Allemagne ou d'Algérie, hein. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire, là? Ma mère, elle termine de passer son permis. Passe chez le coiffeur et tout, parce que frère. Et tu prends une douche, parce que, croyant, je te dis pas, mais tu sens mauvais. Hein. Et ma mère, c'est bon, elle a acheté la maison à côté. Elle va pas passer les clés, bizarrement. Vous avez pas passé les clés? Elle a pris 5 doubles clés. Oh là, j'en ai pas réussi un seul. Moi, j'habite chez la psychologue Ayana. Elle m'a vu comme ça, elle m'a mis résident. Juste là. Je vous fais en voir. Oh, ça va, c'est tranquille. Ayana, c'est qui? Le SHD qui m'a sonné au casino. Ah oui, oui, quand t'as sauté. Ouais. Ah oui, ok. Ouais, Darko, ça allô, va quoi? Allô, ouais, ça va et toi? Ouais, Richie, tranquille, dis-moi, beau gosse, tu m'appelais. Ouais, je voulais savoir, est-ce que, à part des voitures, t'as des trucs qui font boum? Des trucs qui font boum, oui. Dis les termes. Des C4. T'es malade ou quoi, des C4? Mais t'es fou ou quoi? Tu veux que j'ai des problèmes avec la police? Bah, on sait jamais, peut-être. Non, non, j'ai pas de C4, frérot. Tu pièges tes voitures quand tu fais des locations. Non, je fais des locations de voitures, frérot, j'ai pas de C4, t'es fou quoi. Mais vas-y, appelle le cartel au pire. C'est quoi le cartel? C'est quoi le num? Ah, j'ai pas le numéro, frérot. C'est où? C'est quoi ça? Bah, le cartel, tu sais, c'est des Mexicains qui traînent en ville là, ils se revendiquent du cartel. C'est eux qui volent? Eux qui volent. Je sais pas si c'est eux qui volent, en tout cas, c'est eux qui peuvent te faire exploser si jamais t'as un souci. Ah ouais? Ah, frère, ils sont énervés, hein. Attends, je crois qu'ils sont là, attends, je reviens. Vas-y, frérot. M'a demandé si je vendais des C4, le fou. C'est un malade, là. Mais il est baisé ou quoi? T'as dormi où hier? Dans les poubelles. Dans une benne, dans une benne. Dans une benne? Où ça? Pas loin du Bénis. Il fallait dormir sur ma terrasse au pire, c'était de la piscine. Comment j'ai bien dormi moi, la vérité. Ah, il n'y avait pas de bruit ce matin, pas de mec qui tire la chasse d'eau, qui boit une bière, boc, dès le matin là. Franchement, j'ai bien dormi. Génial, je suis content pour vous. Bah ouais. Ça t'apprendra à gâcher des amitiés bêtement comme ça avec ton caractère de merde. Bon, là hier, t'as pété un câble. Je sais pas, c'est avec la folie. Vous savez ce qui m'est arrivé? J'étais otage. Moi, j'étais pas otage, moi peut-être? Oui, mais bon. C'est pas vous qui vous êtes fait braquer, tiré par les policiers. Non, l'arnaqueuse. Non, s'il te plaît. Commence pas à dire un truc comme ça, d'accord? Elle est pas censée le savoir, ok? Ça reste entre nous, ça. Bon, d'accord. C'est bizarre, tu m'as pas donné de l'argent. T'as perdu tes réflexes. Deux. Bah, tu m'aurais dit ok pour 2000$ par exemple. Non, ça m'intéresse plus l'argent. Ok. Ça me va, t'es ma meilleure pote. D'ailleurs, vous me devez de l'argent. Combien? Pourquoi? Pour le travail qu'on a fait hier. Regarde, on a rien fait hier comme travail, qu'est-ce que tu me racontes? On a rien fait, on a été otage. J'ai fait aucune location. Bah vous avez de l'argent. Comment ça j'ai de l'argent? Les otages, ils vous ont donné de l'argent. Mais les balas, ouais, mais. On a été otages tous les deux. Mais frérot, ils m'ont pris à part. Alors maman, tu l'as eu? Alhamdoulilah, je l'ai. Voilà. T'as fait combien d'erreurs? Zéro. Zéro. Sfer. Rien du tout. Maman, faut que tu fasses la photo par contre, viens. Attends, viens, je te dis un truc rapidement, viens. Vas-y. Faut pas les clochards et longtemps, mais... Non, non. La vérité, je l'ai raté et j'ai dû l'acheter, là, le permis. C'est bon, je lui ai allongé un peu de billets parce que. Sartre. Il m'a dit, non, je sais pas quoi, tu manques les respects, mais je lui montre mon doigt et il veut l'autre. C'est bon, mais j'en ai marre. C'est bon. T'as payé combien? 10 000. Quoi? Ça va, c'est rien. Si le permis, c'est tout, c'est rien. C'est une feuille, c'est un papier. Ouais, mais c'est un papier, mais ça t'évite d'aller en prison si jamais tu te fais contrôler. C'est vrai, voilà. Voilà, j'ai. Pourquoi prison? T'es content pour moi, monsieur le clochard? Ouais, c'est honte. C'est honte maintenant. Ça y est, maintenant c'est plus un clochard. Désolé il a voulu avoir parlé comme ça tout à l'heure. D'accord, enlève les foulards que t'as sur la tête. Bonsoir, là, bonsoir. Est-ce que vous êtes disponible pour une photo d'identité, s'il vous plaît? Bien sûr, je veux voir s'il y a une unité disponible. Merci. C'est gentil. Avec plaisir. Je te l'ai dit maintenant, Wendy. Je te jure, j'enlève pas le hijab, hein, le commissariat, parce que soi-disant maintenant. Après, il faut tu... Non, mais le tu dis. Hijab, ouais, mais tu dis c'est une femme. Tu dis c'est. Non, voilà. tu seras obligé de toute façon de l'enlever, mais c'est une femme qui va te prendre la photo. D'accord, mais je m'en fous. Si un policier il me demande ma carte d'identité, je cache la photo avec mes mains. Ah, bah après, oui, t'es obligé. À pas voir mes cheveux. Ah ouais. Tu mets un filtre halal. Là, j'ai fait le filtre. Je sais, je vais mettre des autocollants tout autour. C'est ça? Voilà, comme ça, il voit rien. Vas-y, là normalement il y a du monde au commissariat pour la photo. Oh mon dieu. Tantos là. Ah, faut boucher ses oreilles ici. C'est quoi, c'est les rap ou c'est les polices? Je sais pas du tout. Non. C'est Ziak ou les CP? Ah, tu connais Ziak maman? Ziak, c'est dans les Dubaï, il a fait le concert. Ah ouais? Il est à l'hôpital pour aider les pauvres. Wouah, c'est un bon gars en vrai.
Ouais, c'est pour l'aider à l'intégration dans la société philosophique. Ça aide vraiment d'écouter du zinc. Je sais pas si c'est thérapeutique en vrai. Madame, vous êtes ma... C'est quoi votre maladie au fait? Je demande pas à une femme. Ouais, j'étais sérieux toi? Ouais. Je sais pas, il paraît vous êtes malade. Mais frérot, mais c'est pas il paraît, c'est parce qu'il est malade. Voilà, c'est tout. Ouais, le tact, rien à foutre toi. Ah, y'a pas de tact. Je sais pas, moi, j'avais le même tact avec ma mère. Oui, mais frérot, bah oui, mais c'est pas ta mère là. C'est ta mère, ouais. C'est pas ma mère, c'est pas ta mère. Non, je sais que vous faites pas soulever comme ma mère. Eh, maman, tu boites? T'arrives quoi? Soulever, dis quoi? Soulever, je vais prendre pas l'hélicoptère, hein. T'as mal? Eh, c'est pour ça, je vais à l'hôpital depuis tout à l'heure. Attends, tiens, tiens. Oh, je fallait me dire. C'est quoi ça? J'ai fait quoi avec ça? C'est des petits bandages, tu mets ça autour de, je sais pas, de ta cheville quoi, pour qu'il ait vite de gonfler. Ah, d'accord. Attends, je vais les mettre dans le coin. Regarde pas ma cheville. Oh, où elle est? Non. Wesh. Ça va quoi? Ça va mieux? Ça va quoi, Rich? Bien quoi? J'attendrai ah ouais, d'avoir tranquille. Bien mal. Attends, quelqu'un? Ouais. Le deuxième. Je suis convoqué là. T'es convoqué? Ah, par rapport à hier? Ouais. C'est le. Ok. Ah ouais. Putain. Tu vois, maman? Lui, c'est un mec que. Willy, c'est ma mère. C'est un monsieur que j'ai aidé hier en hélicoptère, lui. C'est un bon. Et c'est que. C'est monsieur Willy. C'est Willy, vas-y. Salam, ça va? Oh, 42, viens, je te parle de ma mère. Ça va. Baisse les bras, s'il te plaît. Bonjour. C'est lui, 42, maman. Ah, c'est le mot aller comme capitaine 42. Ah, qu'est-ce que tu dis, Toufik? Hein? Toufik, c'est ma mère, hein. Fais gaffe, hein. En gros. Salam alaikum, agrumes légumes, ça veut dire bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, vous allez bien madame? Oui, ça va et toi? Vous êtes charmante madame, c'est un plaisir de vous rencontrer. C'est équitable aussi pour toi. Richie, c'est un facho ça. Il est gentil mon fils. Tu me dois de l'argent? Ah oui, oui, c'est... Il est beau, il est fort. Comment ça, il t'a dit? Mon fils, c'est pas un voleur. Ouais, je dis, mets la raquette de tennis. Ça va, onze. Allez, raquette, ma mère, elle aimerait faire la photo d'identité, s'il vous plaît, mais une femme. Une femme, je veux pas me voir sur le hijab. Richie? Ouais. C'est ma mère. Madame. Oui, une femme va arriver, n'inquiétez pas. Oui, c'est ma mère. Bonsoir madame Richie, enchantée. Ah madame Richie, c'est madame Archibald de la Hamara. Ah, tu réfléchis pas, c'est notre famille. 24, venez au poste. Bonsoir Richie. Une femme, elle veut que ce soit. Et voilà, ah, toi qui viens. Tu viens d'où, monsieur? Toi, tu viens d'où? Moi? Du meilleur pays, maman. Du Maroc. Je viens du Maroc, Casablanca. Ça, c'est mesquine. C'est d'accord, enchanté, monsieur. C'est bien. Mais non, la daronne Richie. C'est bien. Mais oui, c'est ma mère. Par divergence, c'est vous êtes madame enchantée, hein. Je connais Oda, il veut que les calories. C'est Toufik, c'est Flick Toufik. Ah, c'est là. C'est mon traducteur, parce que bon, il y a beaucoup voilà, de. Voilà, en fait, moi traducteur. Moi, je suis américain, 100%, c'est la part ou quoi, là? Oui, pardon. Ça se voit, Kim, oui, tu es américain au fond, non. Toi. Bah oui, madame. Madame, vraiment, votre fils, il est bien. Il a ouvert entreprise Bitcoin, il a ouvert tout. Ça c'est bien, ouais, ouais. Il fait en fait une ambiance dans la ville, voilà. Eh, oui. Il fait l'ambiance, bien sûr, il fait le jaou, bien sûr, mon fils, c'est ça. Tout. Ah ouais, c'est le plus fort, le plus beau, en le tout cas, plus madame, intelligent. Ouais, bonsoir. Monsieur. C'est un plaisir de vous accueillir. Même quand dans il cette pose belle des ville. Cicatres, il les pose bien en fait. Il vous remercie, monsieur Karen. Ouais, avec plaisir. Ah bah il y a une femme pour la photo d'identité, voilà, c'est parfait. Va s'occuper de vous, madame. Ah merci. La 42, bah non, j'ai un petit souci en fait. Oh mince. Impossible. Oui, mais accompagnez-la, maman. On va appuyer sur la gâchette. Mais on y va. C'est madame comment? Ah, c'est Archibald. Archibald, oui, bien sûr. Okay. Allez, on y va. Je croyais que tu étais américain, Richie. Je suis américain, frérot. Ah, et madame, enfin, ta maman? Bah, elle est américaine aussi, mais elle est d'origine irakienne. Ok, ah, d'accord. Là, elle revient de Dubaï. Je savais pas. D'accord. Elle a assisté au concert de Ziak à Dubaï. Ah, ok. Enfin, je sais pas ce qu'elle m'a dit, il est venu à l'hôpital et tout pour les enfants, je sais pas quoi, démunis, elle l'a vu. Ziak, Ziak, ouais. Richie? Ouais. Viens, je te parle de minute, viens, 42 aussi. Ouais, ouais. Bonne chance, ça sent la sauce, hein. Bonne chance Richie, bonne chance. Venez Toufik. Ah, je viens vous montrer. Viens ce soir. Bonne chance Toufik. Dans la merde ce soir Toufik. Non mais non, ça commence à se régler un peu. En gros, quand on m'a pris en otage avec les balas, etc. Bon, on est parti récupérer l'argent qu'ils nous devaient, ok? Parce que je les avais aidés en hélicoptère et tout. Bref, on récupère l'argent. Déjà, ils commencent à embrouiller les balas. Je vous sauve la vie parce qu'ils allaient le rafale, tu vois. On arrive au Belize pour nettoyer, pour réparer le véhicule. Il me dit quoi? Il me dit ouais, de toute façon, je m'en bats les couilles de l'argent que tu vas me donner. J'ai aucune reconnaissance envers toi. Je dis quoi? Je dis vas-y, descends du véhicule. Mmh. Il descend du véhicule. En gros, 42, il a dit qu'il a aucune reconnaissance envers lui. Je traduis. Non, merci, oui. Je descends du véhicule. Oui. Je vais à la maison. Non. Je prends ses clés là, le double clé que je vais passer. Je les jette. Je prends ses affaires. Je jette tout. Je prends ses véhicules. Je les sors du garage. Je ferme le garage, je lui dis écoute maintenant, tu te démerdes, tu sors de chez moi, je m'en bats les couilles de ta vie. Il me dit ouais, tu vas voir et tout, non, je vais me démerder tout seul, je suis un grand garçon. Je dis bah vas-y, casse-toi, c'est tout ce que je demande. Il a pris ses véhicules, ses affaires, il s'est barré. Et apparemment, de ce qu'il m'a raconté, il a dormi dans la rue, etc. En même temps, c'est normal, oui. Wesh. C'est là, par divergence, quoi. J'achète une maison, je te fais travailler, je te donne de l'argent même quand tu fais rien. Tu viens, tu dors tranquillement, tu payes rien du tout, et en plus, tu me dis ça. Wesh, t'es un baiser ou quoi? La veille, ma mère, elle va venir. Ouais.
Bah, c'est un baiser. Oh, pardon. Oh, oh mais tranquille, genre, je lui fais même chose. C'est ce qu'on appelle une fugue, c'est ça? Pas enfin, une crise d'ado, quoi. Une crise ouais, d'ado. Il a fait une crise d'ado, mais là, il est parti voir apparemment. Et son ben moi, sachez que je ne lui parle plus, donc. Et vous vous êtes vengé ou pas? Bah, non, je peux me venger, je m'en fous, là. Regarde, okay. Regarde sa gueule, c'est la vie qui se mange. Regarde, maintenant, il a une coupe mulée. Et il dort où? Bah, là, maintenant, il dort chez Ariana. Il a un toit, au moins. Chez EMS. Mais là, il m'a dit. Là, c'est la Hans. Là, il est parti voir sa psy. Hans DF. Non. Oh, c'est Dark Hans, la Il est parti voir sa psy et il m'a dit bon, c'est vrai que j'ai eu tort, je commence à prendre conscience de tout ça. Mais pour l'instant, il me faudra du temps pour m'excuser. Je lui dis frérot, je m'en bats les couilles, fais ta vie. C'est bien si tu reconnais que t'as fait une erreur, mais au moins excuse-toi auprès des personnes que t'as blessées, tu vois. Il m'a dit bon, pour le moment, je suis pas encore prêt, donne-moi du temps. Bah, je dis vas-y, prends ton temps, je m'en fous. Ah, là, faut qu'il aille prendre sa douche, je dis puis sa mère. Ah ouais, là, ouais, non, je le mais sens il fait trop l'ancien. Il commence à dire ouais, vous savez pas ce que j'ai vécu, j'ai dormi dans la rue. Je dis connard, t'as vécu une nuit dans la rue, fais pas l'ancien. 28, ouais, emmenez-le au Karcher en bas là. Ouais, tu sais quoi, on va laver. Il a commencé à faire l'ancien avec moi et tout. Ah ouais, bah il prend la confiance. Viens voir Hammam. L'argent, ça va monter la tête. Viens, on va faire le Hammam. En fait, ah oui, je t'ai pas dit. En fait, il m'a dit qu'il est jaloux de moi parce que j'ai plus d'argent que lui. Voilà. En fait, il est jaloux de moi. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il a pété un câble, en fait. Il m'a dit, je suis jaloux de toi. Ah ouais, mais c'est. Vraiment. Il a complètement pété les plombs. Il y a un mois de ça, c'était pas le Hans qu'on connaissait. Tu lui parles maintenant ou tu lui parles plus? J'échange des mots avec lui, mais c'est pas comme avant, quoi. Il m'a fait la baisse. Il m'a fait la baisse. Tu peux venir taper mon gosse. Il me fait la bise au clochard. Qui? Loué. Avec lui, les badges. Comme donc j'ai une écho. Y'a pas de salam alaikum, t'embrasses ma mère toi? Fais pas la bise, tu connais pas ta mère. J'ai fait la bise à Khalti, c'est... Frère, tu fais la bise sur le front, pas sur les joues. Et sur le front. T'es malade ou quoi? Il a fait une erreur, ça ne s'en reproduira plus. C'est madame, voilà, madame, toi tu es. J'ai pas craché dessus quand même, merde. Non mais d'accord, mais frère, s'il te plaît, déjà, à quel moment tu vas faire la bise? T'es qui? Tu la connais? Hachem Chouya. Non! J'ai vu une personne de mes origines, c'est rare ici. Pourquoi? T'es quoi toi? De mon pays. Pas ton origine, je connais pas ta mère, je t'ai dit. Ah, doucement, mademoiselle, s'il vous plaît. Ah, mademoiselle maintenant. Ah, mademoiselle maintenant. Depuis que tu l'as fait la bise, tu prends la confiance. Je suis mariée. Je suis veuf, je suis tôt. Ou maman ou... Ah, maman, viens, regarde, ils vont nettoyer Hans. Encore. Augmente la puissance, augmente. Mets à fond. Vas-y, encore, bombarde. Ok. Vas-y, bombarde. la max, voilà. Il est tout beau, tout propre. Ouais. Et vous êtes tout beau, tout propre comme on ça. L'a 80, là, il est propre, là. Parfait. Ah, il est bien propre, là. Il est lustré, là. Bien. Voilà, là faut le réchauffer un peu parce que l'eau était froide. Hein. Là faut lui couper les cheveux en plus. Hein. Voilà, ça, faut vraiment que ce soit un nouvel homme. Quelqu'un a un ciseau sur lui? Attends, il est KO là non? Les pointes, là. Oh, il est KO. Je crois, il est KO sa mère. Attends, aidez-le à se relever un petit peu. Attends. L'eau elle était beaucoup trop froide, l'eau. C'est bizarre en fait. Debout, clochard, lève-toi. Allez, entre, allez, vas-y. Je crois qu'il faut appeler l'ambulance là. Non. Je crois qu'il a fait d'hypothermie, les gars. J'ai plus peur. Mais par divergence, quoi. C'est un nouveau mot que t'as inventé ou quoi? J'appelle le médecin. Tu veux le placer, c'est quoi? C'est un sub-goal? C'est quoi le délire? Dis-le, t'es en live sur Zoop. Ah, on est tous en live sur Zoop. Bah ouais, toujours sur Zoop. Non, Zoop, c'est quoi Zoop? Ah, maman, t'as pas. Non, faut pas que tu viennes sur Zoop. Non, faut pas. C'est quoi le Zoop? Mais déjà, sors de là, il fait froid dans ce hangar là. Ramenez-moi des vêtements. Bah oui, quelqu'un a des vêtements pour lui? Oui, viens. Attends, je te mets sous le lampadaire. Attends, je te mets à l'intérieur, mes skin déjà. Tiens. Il y a la machine à café pour qu'il se réchauffe. Viens voir. Et toi là 42, il a dragué votre mère, faites gaffe. Hein. Comment ça? Il draguait votre mère, non, je vous jure. Il lui a sorti son bon. Bon, déjà, Roya, ta coiffure, ça va pas. Non, si. Si. Non, mais Roya, Roya, t'as des poux, mais t'as des poux, Roya. T'as des mouches qui tournent. Non, t'as des lentes, t'as des poux, c'est horrible. T'as tout. Mais t'inquiète, Roya, je te mets mon gosse là. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien, Roya. Y'a un coiffeur, mais vous êtes pas spécialiste, déjà votre coup. Si. Boule à zéro, y'a pas besoin d'être coiffeur, Roya, quand même. Mais non. Roya, t'es beau gosse. Oh, le dégradé, il est trop beau. Là, t'es beau gosse. Là, Roya, t'es beau gosse. Attends, mais ramenez-moi un miroir. Bah déjà prends des habits. Attends, prends les habits là, attends, je vais t'en chercher, j'arrive. Attends, 42 il a vraiment dragué ma mère? Oui, vous savez quand il fait son bonjour madame. Ah mais après c'est 42 ça, c'est pas ça. Non. Il y a un flic, il a tapé la bise à ma mère, s'il te plaît, Roya, il a cru que c'était sa mère. C'est un malade. Oh là, il a tapé la bise normal. Non mais votre mère elle arrive, elle dit à Yazebé, comme ça normal. Non, elle a pas dit ça. Non mais arrête, c'est n'importe quoi. C'est ce que je dis. Tiens, tes vêtements là-dedans, tu les mets. C'est bon, je lui ai rasé sa petite tête, il est beau gosse comme ça. Voilà. Mais là, monsieur, là, on est bien, là, on est d'accord. Là, mais là, on est super bien, là. Il y a un trou au milieu. Voilà, merci. Parfait. Nickel.
Bah honte. T'es beau gosse là, honte. Nouvelle oh, compagne. Je... Attends, la prochaine étape c'était bon, quoi? C'est bon, on va couper cheveux, nettoyer, c'est bon. Je redeviens Hans Werner, celui qui fait le maquillage aussi. Il manque le chapeau, ouais. Il manque un chapeau là. Le chapeau, le chapeau. Il manque une casquette, un chapeau, il manque quelque chose. Et c'est bon, il faut du temps aussi, je vais pas m'excuser. Non, maintenant. Excuse-toi. Tiens, fume. Fume ça. Ça fume ça. Fume ça, excuse-toi comme Pablo Escobar, vas-y, t'inquiète. D'accord. Dimis Menea. Starfo là. Voilà, dégaine le rala comme un glock. Allez. Ok. Bon. Hans, est-ce que t'as quelque chose à dire à lui? Oui, j'ai quelque chose à dire. Déjà, pose ta clope, t'as jamais fumé de ta vie, connard. Il est con ou quoi? Skin n'est pas mourir. C'est bon, c'est bon. Ça va, ça va. C'est bon, Richie, par rapport à le comportement que j'ai eu hier, ça ne va plus se reproduire et je suis vraiment désolé. Et je ne suis pas jaloux de vous. Tout est à ta faute. Et tout est de la faute de Toufik, c'est lui qui m'a dit de faire ça. Toi. Attends, Richie, désolé, hein. Quoi? Aïe, c'est ma faute. Voilà. C'est ta faute. Et je redeviens Hans, et c'est quoi, je te demande même plus d'argent, je travaille avec toi. Et on s'excuse. Vas-y mon pote, tranquille. Voilà. Ça c'est parfait, ça. C'est merci. Voilà. Voilà. Allez, on applaudit. Ouais, merci beaucoup. Madame, laissez-moi vous serrer la main. Laissez-moi prendre un paquet de chips, j'arrive pas. Ah oui, bien sûr, madame, excusez-moi. Attends.